Bonjour tout le monde, ici PicapofQC pour un autre épisode de Pokémon Donjon Mystère DX. Donc, d'un épisode, on vous fait l'introduction du jeu. Mon micro ne marchait pas super bien. J'ai essayé de faire le mieux possible qu'on puisse entendre ma voix. Ça fait que je baisse un petit peu le son du jeu. Mais je pense pas que ça va être énormément néfaste pour le stream. Je pense qu'on entend quand même bien le jeu. Puis je crois qu'on entend bien ma voix quand même un petit peu basse, mais c'est le plus que je peux faire pour l'instant. Je suis pas encore familier avec mon micro. C'est un Razer Kraken Tournament. Donc en tout cas, je vais essayer d'apprendre comment ça marche. J'espère que ça va aller mieux pour la PS5 aussi. Donc on a des quêtes qu'on a ramassées. Donc là, ici, mission acceptée. J'en ai une dans les bois, j'en ai une couple dans les grottes éclairs. Je pense que ce que je vais faire, c'est celle-là. Le combat et moi, ça me fait deux, à l'aide je vous en prie. On va commencer par le bois, le petit bois. Puis on va faire les quêtes. On va faire les quêtes tranquillement. Petit bois niveau 1. Donc. Que je trouve le. Voltorb perdu. Je pense que c'est au deuxième étage. Petit bout niveau 2. Voltorb se trouve à cet étage. Bravo, voici Voltorb, le Pokémon que vous cherchiez. Mission accomplie. Merci, passez me voir à la poste Pelican. Niki montre son badge et le sourire, c'est un portail magique sur vous. Voltorb quitte le reboot de donjon. Voulez-vous quitter? Oui, parce que j'ai. Je ne vais pas y avoir pas ici. Niki accomplit avec Bio sa mission dans le donjon Petit Bois. Merci beaucoup pour votre aide. Vous avez bien mérité cette récompense. Orbe Rinciasis. Les objets que vous avez reçus sont envoyés à la réserve Kangourex. On a assez fait pour aujourd'hui. On mérite un peu de repos. À demain. Est-ce que je vais encore rêver? Hein? Encore ce rêve? C'est encore cette présence. J'entends une voix. J'ai du mal à comprendre ce qu'on me dit. Hein? Le sol tremble? C'est un séisme? Oh là là, c'est de plus en plus violent. Pour un rêve, ça paraît drôlement réel. Je cherche ce qui se passe pour de vrai, un séisme. Le lendemain matin. Oh oui, tu nous entends? Oui, on cherche Niki. C'est toi, n'est-ce pas? Oups, c'est vrai, tu ne peux pas nous voir. Pardon. Hola, enchanté, nous sommes Triopiqueurs. Il y a un séisme hier, tu le sais peut-être, puis une tragédie s'est bête sur nous. Topiqueur, notre petit, a été enlevé. Il s'est fait taupe-napper. Hein? Topiqueur? Il a été emmené au sommet d'une montagne. C'est beaucoup trop pour nous. Nous ne pouvons pas y aller. Nous avons besoin de ton aide, Niki. Le Pokémon qui a enlevé notre fils s'appelle Ermure. C'est un brute odieuse. Fais bien attention. Nous comptons sur toi. Sur ce.
Mais c'est grave, Taupe-Cœur s'est fait enlever. Je n'ai pas le choix, je dois aller le sauver. Coucou Nikki! Hein? On est venu te demander de l'aide? Tout à fait. Notre fils Taupe-Cœur a été taupe-nappé. Il a été emmené au sommet du Mont Acier. Nous comptons sur vous pour le sauver. Sur ce. Ah, d'accord. Taupe-Cœur, c'est le Pokémon qui creusait des trous ici, c'est ça? Et ici, le fait que taupe-nap enlevé. Faut pas traîner et vite aller sauver alors. Donc en gros, c'est ça ce qu'on va faire, en fait. Mais j'ai d'autres quêtes aussi, là. Mais est-ce que ça se régénère? Oh, ok. J'avais déjà même accès au donjon de Mont Acier. En gros, c'est ça. Je peux faire les trois quêtes qui sont là. Peu importe. Puis on va aller sauver notre petit Taupe-Cœur. Ouais. Grotte Acier. Grotte éclair, excusez-moi. Mais en gros, je sais pas si des quêtes qui se régénèrent tout le temps. J'ai mis pas de vous accompagner. Okay, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Dans une section de quêtes. Peu importe comment on doit se voir, combinez-moi là-bas s'il vous plaît. Deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Ok. On commence par la première étage. Tant que tel. On va sortir. Je vais me gosser 2 heures à. Venez chenille pas jusqu'à Pouspi qui se trouve à cet étage. Bravo, vous avez réuni chez Nipot et Pocipi, quelle joie! Ça c'est fait. On va les amener dans leur hors du donjon. Non, je vais pas quitter. Continue. 23 d'or. Ramasser des coffres au trésor dans les donjons et les ouvrir hors de ces derniers. Impossible de savoir ce qu'il en fait avant de les avoir ouverts. Il n'est pas possible de confier un coffre au trésor à Kangourex malheureusement. Coffre Link. J'ai pas tout compris, mais ok. Troisième étage, là on a des dorants femelles, je crois. On va les trouver. Sortir là. On va descendre par là. J'ai vraiment visé à court. Oh, c'est quand même fort. Bravo, voici une grande femelle, le Pokémon que vous cherchiez. Ils sont complets. Merci, passez me voir à la poste. Excusez-moi. Non.
petit griffe ou morceau? Non, morceau. Oh non, je suis paralysé. Merde. Ah, je suis encore paralysé. Monter de niveau. Niveau 8 pour Copain. Bravo, voici Médiane. Médiane, il n'y a pas grand que vous cherchiez. Mission accomplie. Bon, c'est fait. Merci. Ouais. Qu'on a plein de monde qu'on a aidé. Ticket assiduité. Merci sans vous, je n'ai jamais vu le... Une écharpe défense et un solo précision. Je sais vraiment pas c'est quoi ça fait. Une autre écharpe défense, un autre... Bandana force. Le lendemain matin. Est-ce que ça, je me demande, est-ce que c'est ça, j'ai des dates aussi. Si vous avez faim, mangez. Marcher dans un donjon, ça creuse. Si votre estomac se vide trop, vous perdrez des PV et finirez même par vous évanouir. C'est pourquoi vous devez manger, pour vous remplir l'estomac. Vous pouvez acheter à manger au magasin Kéclair. Donjon mystère, donjon de misère. Si votre équipe est vaincue dans un donjon, vous perdez de l'argent et les objets que vous aviez sur vous. Préparez-vous donc bien avant de vous lancer dans un donjon ou dans une mission de sauvetage. Et surtout, pensez à utiliser la réserve Kangourex. On va aller en ville. J'ai plein d'objets. Je sais pas c'est quoi. Augmente l'attaque du porteur si tu peux. Ce qui a pour effet d'augmenter la puissance de ses capacités physiques. Et la défense. C'est une neige. Pas d'objet, c'est vrai. Soda précision. Un soda à boire pour augmenter la précision de capacité pour toute l'équipe de façon permanente. Orbe de réinitialisation.
retire le statut transcendance à tous les Pokémon de l'étage. Allié comme ennemi. Je pense que je vais le prendre. Puis, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je me suis équipé du stock. L'air de pouvoir. Je pense que je vais dans item. Bon, je pense que ça donne un petit peu de ça. En fait. Je pense qu'il n'y a pas d'autres missions pour nous. Il y en a tout le temps. Je pense qu'il y en a à l'infini. Je pense qu'on va faire la quête principale en tant que telle. Puis on verra ce qu'on verra. Le mont acier. On y est, c'est le mont acier. Ton piqueur doit être tout en haut. C'est exact. Le sommet correspond à l'étage 8. Nous comptons sur vous. Sur ce. Ok. Bon, on y va. Un troisième donjon. Mais je pensais quoi, un air mur? Je sais pas plus. Ah, bon, on va aller voir les items. Dans les donjons qu'on peut utiliser ça. J'avais pas sur la précision. Moi je vais prendre la défense. Je vais donner la force à... Mange pas ça, bébé. Voici niveau 1.
ici. Chercher l'objet, tac-tac, bien en haut. Baltoy, c'est un de ses proches. Pas un zigzagoon. Dans les donjons bien sûr, c'est que c'est un paramètre des capacités pour consulter, activer ou désactiver les capacités nouvelles. Ça va être agressif les Pokémon dans ce niveau-là. Là. Pas mal agressif, mais. Je sais pas ce que j'ai fait. Je vais voir. L'objet de la boîte m'intéresse. Comment faire pour voir. Niveau 3, quasiment fait la moitié. Le Pokémon ne peut pas utiliser la capacité, mais il peut utiliser des objets. Ça, c'est disparaît au tour suivant. Déjà niveau 9. Wow. J'ai pas aimé ça, confusion, on va dire. Gal Kid. Je pense pas.
a à moitié à faire. Lancer des pierres ou des pics ouvre le menu principal en cliquant sur X. Allez dans la boîte à objets sélectionnée, ensuite l'objet de votre choix, puis équipé, appuyez sur. Max, ça n'est pas mal. Ok, là, je pense que. Regarde, Nikki, top carré là-bas. Et ça va, on est là pour te sauver. J'ai peur. Oh, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux?
est là pour sauver Topical. Laisse-le partir, Hermure. Quoi? Mais quelle toupée! Ce sale fouisseur et sa famille n'ont que ce qu'ils méritent. Je n'arrive plus à fermer l'œil de la nuit avec tous ces tremblements de terre. Et tout ça, c'est de leur faute avec leurs trous partout. Mais non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tremblements de terre, mais c'est pas de la faute de Topical ou de sa famille. Silence! Je vais vous apprendre le respect. Il a l'air bien remonté, Hermure. Pas moyen de la raisonner. Il va falloir se battre. Comment on va se battre? Le métal. C'était pas si dur. Grrr, vous m'avez vaincu. Je me vengerai. Hé, hey, Hermure est partie. Ça y est, t'es sauvé, descends vite. Je peux pas, j'ai trop peur. T'en fais pas. On va venir te chercher, bouge pas. Oula! Les profonds se précipitent quand même. Nikki, comment on va faire? On peut pas traverser ça. Psst, zap! Oh, les magnétites de l'autre fois! On nous a prévenu. On se charge de sauver Topical. Accroche-toi. Pas de panique, on ne va pas t'électrocuter. Yeah. Comme j'ai eu peur! Ça devait être à cause du vertige. J'ai l'impression que mes jambes pédalent encore dans le vide. Ces jambes. Quelles jambes! T'es sain et sauf, c'est l'essentiel. Ouais, c'est vrai, merci. Oh, tu es là? Quel soulagement! Hein? Qui est ça? Oups! Pardon, vous ne pouvez pas me voir. Bonjour, c'est nous, Topical. Mais papa! Topical, nous étions si inquiets, tu n'es pas blessé. Non, j'ai très peur, mais je vais bien. Et c'est grâce à Nikki et son équipe. Merci pour tout, vous avez été formidable. S'il y a quelqu'un à remercier, c'est plutôt les magnétiques. On n'aurait rien à faire sans eux. Oh vraiment? Okay, merci à vous aussi alors. Je vous en prie. Nous avons fait que notre devoir depuis. Nous avons un point commun. Notre forme évoluée est aussi un trio. Et il faut se serrer des boulons entre Pokémon. En tout cas, nous nous devons une fière chandelle. Nikki, copain, merci encore. Sur ce, vous recevez une huile max. Un guérigraine. 800 piastres. Ouais. Il est temps pour nous de vous quitter. Attendez! Oui?
Dites, ça vous dirait de rejoindre notre équipe? Rejoindre votre équipe? Oui, sans vous, on n'aurait jamais réussi à ce sauvetage. On aura encore besoin de votre aide à l'avenir. T'es d'accord, Nicky? Ben oui. Alors, ça vous dit? Vous voulez bien rejoindre notre équipe? Une équipe de secours? Ça a l'air intéressant. Mais dans ce cas, nous aurions besoin d'un endroit où nous installer. Y aurait-il un lieu adapté par ici? C'est-à-dire que pas vraiment, non? Oh, je vois. Tant pis, nous ne pouvons pas rejoindre votre équipe. Au revoir. Oh, bazout, c'est dommage. Mais non, ils n'ont pas tort, faut que notre équipe soit à côté pour être toujours prêt à partir. Si on veut plus de monde, il va falloir trouver de quoi loger Pokémon. Je sais! Demain, on ira sur la place Pokémon. On demandera au club camping. L'autre jour, c'était fermé. Mais peut-être que ça sera ouvert demain. Le club est à côté de la banque persienne. Et c'est Gros Doudou qui s'en occupe. On y trouvera peut-être des infos utiles. Bon, c'est décidé. Demain, cap sur la place Pokémon. Qu'on a sauvé un Topicard. Encore cette rêve-là? C'est encore ce rêve. Cette silhouette qui se fait bien être. Cette fois-ci, j'entends quelque chose. Un être humain? Mon rôle? Ah, attends, s'il te plaît, je veux en savoir plus. Je n'entends plus rien. Le lendemain matin. Salut Nicky! Ah ah! Tu verrais ta tête, t'as mal dormi ou quoi? Hein? Tu fais des drôles de rêves? Quel genre de rêve? Nicky raconte ses rêves à copain. D'accord. Nicky t'a dit que t'étais un être humain, pas vrai? Si ça se trouve, peut-être que tu fais ses rêves parce que t'es devenu un Pokémon. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu veux redevenir un être humain? Tiens. C'est vrai que je n'y ai pas encore beaucoup réfléchi. Est-ce que je veux redevenir un être humain? Je ne sais pas. Ben alors, qu'est-ce que t'as? T'hésites? Après tout, c'est normal, c'est bien plus marrant d'être avec moi. Au fait, oublie pas qu'on a prévu d'aller sur la place Pokémon aujourd'hui. On doit trouver comment rajouter des membres à notre équipe. C'est parti, direction Club Camping. C'est où son magasin, Rose? Ah! Oh! Ça vous dit top. Gros Doudou. Bienvenue au Club Camping.
Oh, c'est la première fois que vous venez. Je vois. Vous venez de créer votre équipe de secours, c'est ça? Vous avez frappé à la bonne porte, au bon comptoir. L'organisme de secours m'a envoyé ici pour aider les équipes comme la vôtre. Ma mission principale est d'installer des camps de secourisme. C'est là que les membres de votre équipe se tiennent prêts à passer à l'action. Vous pouvez choisir de les installer en forêt ou au bord de l'eau, par exemple. Faites votre choix en fonction des Pokémon que vous voulez recruter. Monter un camp coûte de l'argent, mais je vais faire une exception. Votre équipe aura droit non pas à un, ni à deux, mais à trois camps gratuits. C'est parti. Campi Campa. Campa Dabra. Félicitations. Vous avez désormais des camps dans les plaines sauvages, le bois des brumes et sur le plateau d'Azur. Vous pouvez recruter des Pokémon qui y vivent. Pour ça, rien n'est plus simple. Dans un donjon, si un Pokémon se prend d'affection pour vous, il vous demandera sûrement de rejoindre votre équipe. Acceptez-le et le tour est joué. Et voilà, vous savez tout. Bon courage par la suite. Tu ouvres des camps gratuitement? Quel heureux hasard! Peux-tu en trouver un à la centrale? J'aimerais faire partie de leur équipe. Bien sûr, je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Campi Campa. Campa Bradant. Et voilà, le camp de la centrale est prêt. Le camp de la centrale est désormais disponible. C'est super. Mon ami n'a pu accepter votre invitation hier. Mais ça l'a tracassé toute la nuit. Car tout ce qu'il désire, c'est rejoindre votre équipe. Est-ce que vous acceptez quand même de le recruter? Bien sûr, c'était notre idée à la base. Il est la bienvenue à l'équipe. T'as entendu, Zapsa? Tu peux les rejoindre. Tu vas devoir te montrer digne de leur confiance. Oui, je vais faire de mon mieux. Je suis content. Magnéti niveau 7. Rejoins votre équipe. Voulez-vous donner un surnom à Magnéti? Non. Je vais m'installer au camp de la centrale. Si vous avez besoin de moi pour une mission, venez me chercher. Au revoir. Pour rejoindre votre camp, prenez le sentier à gauche de Shinito. Et si vous souhaitez partir en mission avec Magnéti, prenez le chemin du bas. Avant d'entrer dans un donjon, vous pouvez motiver votre équipe. Et voilà, c'est tout. Bon courage pour votre mission. Tiens, qu'est-ce qui se passe? On dirait que des gens se disputent. Il faut l'aider, s'il vous plaît. Hors de question, nous n'acceptons pas ce genre de mission. Mais il suffirait d'une rafale pour l'aider, je vous en prie. Il se passe quoi ici? Quel teuil bohu, n'est-ce pas? Kotova a besoin d'aide, mais ça n'intéresse personne. Tu vois ce Pokémon? Celui avec le nez pointé au milieu? C'est Tangalis, lui aussi a une équipe de secours. Mais il n'accepte que les missions très bien payées, il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Pauvre Kotovol, il a l'air désespéré. Un instant. Oh, mais c'est... Ouah, c'est la Kazan! Alors c'est lui le fameux la Kazan? N'as-tu donc pas de cœur? L'ami Kotovol n'a besoin que d'un simple coup de vent. Et tu peux créer des rafales avec tes feuilles. C'est un jeu d'enfant pour toi. Aide-le donc. Bon, c'est d'accord. Waouh, respect. Tangalis a accepté sans broncher. C'est qui? Tu ne connais pas? C'est la Kazan et ses acolytes. Il forme l'équipe de secours la plus célèbre des environs. Lui, c'est Dracofeu. Il peut faire fondre des montagnes avec lance-flammes. Et lui, c'est Tyrannosif. Il possède une force colossale et une armure impénétrable. Et voici leur chef, Alakazam. Il n'aime pas les combats physiques, alors il se bat avec ses pouvoirs psychiques. Son cerveau est super développé. On raconte qu'il a un QI de 5000. Sa mémoire contiendrait tout ce qui s'est passé dans le monde. Dans l'équipe, c'est lui qui commande. Oh, merci infiniment. Je t'en prie, c'est bien naturel. Si quelqu'un refuse à nouveau de t'aider, signale-le-moi. Au revoir. Ah, la classe! Ça, c'est une équipe de secours, de grade or, de vrai. Que vous arrive-t-il? Que se passe-t-il? Rien, tout va bien. Allons-y.
Oh là là, j'ai eu une de ces trouilles. Trop classe. Niki, faut trop qu'on devienne comme eux. On va recruter plein de membres et former une équipe du tonnerre. Ça, c'est ce qu'on va voir. Ok, c'est qui ça? Le lendemain matin. Coucou Niki, on va encore sur les plaies de Pokémon aujourd'hui. Flap, flap. On a de la mal. Qu'est-ce qu'on a reçu à ton avis? Alors, journal Pokémon édition spéciale. Les friandises aiguisées, ces douceurs dont on raffole tous arrivent dans les camps. Qui dit camp dit friandise. Qui dit friandise dit camp. Pourquoi ont-elles autant de succès? Est-ce pour leur saveur? Oui, mais pas seulement. Parfois, elles permettent d'apprendre de mystérieuses capacités. Les friandises aiguisées sont des denrées rares, mais pour fêter l'anniversaire de votre camp, l'organisme de secours vous en offre. Consommez ces délices sans modération. Vous recevez 3 friandises aiguisées de la part de l'organisme de secours. Elles ont été envoyées à la réserve de Convorex. Pour être les meilleurs, c'est simple. Manger des friandises aiguisées. Waouh, trop cool! Il y en a 3, c'est parfait. On va les partager avec Magnéti. Les camps, c'est par là. Les camps de secours sont par là. Allons vite voir Magnéti. Magnéti doit être au camp de la centrale. Niki et copains se rendent au camp. A pris fière équipe. Plus votre équipe a de membres, plus les Pokémon que vous affrontez sont tenus tenter de la rejoindre. On va donner une à. On va donner une à Squirtle, copain. Grotte Péril. Hein? Grotte Péril, vous êtes vraiment au accès au donjon Grotte Péril.
ça galopa. Pokémon en masse. Un sauvage plein de beauté, plein de... les acheter. Donc on va finir avec le feu de sang. C'est notre premier boss. C'est bien passé. Donc, on va arrêter le stream là. Merci d'avoir été là. On va continuer un autre épisode une prochaine fois. Je sais pas quand. Donc, peut-être que je vais le faire. Ouais, je pense que je vais bien aimer ça. Ouais, ça va faire différent des. Ça va faire un autre jeu à jouer, en fait. Mais. Ouais. En tout cas, j'espère que le son a été parfait pour cette vidéo là. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Bye!